Bonjour YouTube, bonjour Twitch, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui sur ce jeu mythique qui est enfin sorti, The Mortuary Assistant. Je sais que vous l'attendiez, je sais que vous n'en pouviez plus, je sais que les critiques sont extrêmement bonnes sur ce jeu, et je sens qu'on va se faire peur. Alors, le jeu est totalement en anglais, je suis une brêle en anglais, mais je sais pourquoi vous êtes là. Vous n'êtes pas là pour comprendre le jeu. Vous êtes là pour vous régaler de me voir avoir peur. The Mortuary Assistant, ça se passe dans une morgue. Ou plutôt un funérarium, si je dis pas n'importe quoi. Et en gros, on va devoir s'occuper... d'embaumer des corps. Et si je me trompe pas, en gros, vous avez trois corps. Et parmi les trois corps, vous avez un corps qui est possédé. Et il faut chercher des indices pour trouver lequel des trois corps est possédé. Attention, le jeu contient beaucoup de jumpscares. Et quand j'ai fait la démo, je peux vous dire que je me suis vraiment chié dessus. Vous avez quand même mis les sous-titres, hein. Donc c'est un jeu qui est procédural. Ça veut dire que je vais y jouer, mais si vous achetez le jeu et que vous y jouez, vous n'allez pas avoir la même chose que moi. I'm so glad it's almost over. Congratulations, sweetie. Thank you. Elle dit qu'elle est trop contente pour elle. Félicitations, merci. J'aurais jamais cru que tu ferais quelque chose d'aussi macabre. Et donc c'est elle, elle va travailler dans les pompes funèbres. Et sa mère, elle est vachement contente pour elle, mais elle pensait pas qu'elle irait faire ce genre de métier. You haven't told me what's next. Will you get a job where you are, or... They actually have everyone they need. But my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to finalize my internship there. Oh, well that's good. I remember you mentioning him. Where's he located? Are you moving away from me? No. I'm not moving. He's actually located around here. River Fields. Oh, Rebecca. I don't like that. Elle va à Riverfield. Even I've heard things about that place. Ta grand-mère va dire j'aime pas ça. Just be worried about you. People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. And we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. Right. I'm sorry. But I wanted to give you this anyway. So, here. Un talisman. T'as la grand-mère, elle sait d'avance qu'il y a un truc. Just take it, please. It should be yours anyway. Prends-le! Thanks. All right, enough spooky stuff. I'm so proud of you. When is all this happening? When do you start? Allez, c'est à deux mois. Quand est-ce que je commence? I've been there for a few weeks now. My review is tomorrow. Okay. Bon, hein, je vous ai fait les grandes lignes. Hein. Je suis vraiment une brêle en anglais, mais bon, voilà quoi. On a un travail, on va aller bosser dans la morgue. La grand-mère, elle est un peu inquiète. Elle est contente pour nous, mais elle est un peu inquiète quand même. Elle nous a filé un talisman parce qu'elle est vachement superstitieuse. Elle nous a dit de nous méfier. All right. Here we go. Parti ? Here we go. Ok, nous voilà dans la morgue. Ah, je suis un peu étonné, j'ai pas besoin de me mettre en clavier américain. Ça, c'est cool. Rebecca, une dernière chose que j'ai oublié de te dire. S'il te plaît, prends le stylo qui est sur mon bureau et signe merci. Zoé. PS, good luck. Bonne chance. Il y a un stylo ici, là, ouais, ok. Donc, je dois signer les papiers dans le bureau. Ok, donc quick inventory. Donc quand je fais un clic droit, j'ouvre mon inventaire rapide. Ok. Comme ça. I can't use that here. Ok. Sont où les papiers? Il y a un papier que je dois signer, non, si j'ai bien compris.
Ah, c'est peut-être ça qu'il faut signer, non? Ok, un papier sur le mur derrière le petit truc. Ouais, voilà. J'ai signé le papier qui est sur la porte. Ok. Bon, on va commencer à explorer. Je crois que j'ai pas de lampe torche, par contre. Donc, quand on est dans le noir, on est dans le noir. Bon, là, c'est les fusibles. Bon, ah, sure. C'est rare, d'habitude, on n'a jamais les reflets dans le jeu. Il y a eu la mage hein, sur le jeu d'horreur sur The Courier, en fait. Hein. Il y a eu la mage. Hein. Donc, on va pouvoir le refaire. Vous voyez ça, là? Là, là, les yeux fermés. Vous êtes sûr qu'à un moment ou un autre, elle aura les yeux ouverts. Bonjour. Rebecca. Oh putain. Great. Perfect timing. M'a fait peur. I just finished with Mr. Dalton here. Je viens finir avec Monsieur Dalton ici. S'il te plaît, ramène le corps dans le congélateur. Ok, donc faut que j'appuie sur E quand j'ai besoin de faire quelque chose, ok. Donc là, je me mets là. Là, c'est le tuto en fait. Ok, super. Je peux regarder derrière moi. Non, je peux pas regarder derrière moi. Donc, je suis obligé d'avancer à l'aveuglette. Cold storage. Donc, la salle du froid. Donc, en gros, c'est là que je range les corps, en fait. Ok. Donc là, je lâche ici. J'ouvre. Regardez. Ah comme ça. Bah, j'arrivais pas à le faire. Ok. Ok. Allez, on va peut-être ranger le corps bien comme il faut. Imagine en fait c'est ta grand-mère elle travaillait à l'époque là-bas et elle sait ce qui s'est passé. Bah c'est pas impossible là, tu sais, avec des. Il y a tellement d'histoires et tout comme ça dans les jeux. Enfin, tellement fait de jeux d'horreur, je serais même plus étonné. Ok. On dirait ma grand-mère en plus pour de vrai. Ok, bon pour l'instant ça va, il se passe rien. Là c'est le tuto donc je m'attends pas à avoir. Je m'attends pas à avoir non plus un truc de dingue. I'm just finishing up something here, so why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks? I'll get out of your way when you're done and let you hop in here. Ok, donc là en fait, maintenant je dois m'occuper du corps. Donc je dois prendre le papier qui est là. Ok, donc c'est le clipboard. Et donc en fait ça va me permettre de voir ce qu'il y a à faire. Donc j'appuie sur espace pour sortir le clipboard. Ok. Donc, enregistrer toutes les marques. Je dois regarder sur le corps s'il y a des marques en fait. Donc c'est parti. Okay. Donc là, ici, là, on a des griffures. Ok, donc la jambe là, on a des griffures. Voilà, on a une espèce de grain de beauté tout dégueulasse. Ah non, quand je fais échappe, d'accord, ok. Donc je suis obligé de cliquer avec la souris, quoi. Hmm. These old windows never stay latched. Ouais, bien sûr, ouais. Il me dit, oh, c'est fait, les têtes ne tiennent jamais en place. Par contre, j'ai un problème de dépit avec la souris, laissez tomber, quoi. Elle est trop sensible, la souris. Attendez, je vais régler juste ma sensibilité. Look sensibility. Comme ça. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Ok. Ici, là, elle a des marques aussi. Putain, mais la vache, elle a plein de marques, elle. Là, il n'y a rien. Elle a une espèce de poireau ici. Ok. Ah ouais, aidez-moi. Eux, il faut m'aider. Il faut me dire ce que vous en pensez et tout. Hein. Là pour l'instant c'est le tuto mais voilà, faudra m'aider.
Et ça, je l'avais déjà relevé. Il ne reste plus que la tête. Ah la vache, elle est moche. Hein. Climb on in here and put everything into the record system. Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet for the family. After that, we'll get started. Ok, donc là, une fois que j'ai fait ça, je dois aller sur l'ordinateur et je dois enregistrer tout ce que j'ai vu pour le dossier médical pour la famille. Je vais sur le PC. Ok, il va filmer Manoir Network. Putain, j'ai eu peur, vous avez entendu? You all right? Il m'a dit tu vas mourir. Yeah, I'm fine. Sorry. Ok, donc là, record system. Donc le nom, c'est... Ah ok, ouais, donc j'ai juste à cliquer, ok. Dorothy, âge 87 ans. Donc la tête. Et là, il n'y a rien, il n'y a rien. Par contre, le pied gauche, donc R, leg, ici. L, leg, ici. L, arm, ici. Et l'épaule gauche, ici. Ok, je crois que j'ai tout mis. Hein. Super. Putain, la lumière, elle est éteinte là-bas. Putain, il y a des traces de pas au sol, les gars. Ok. Donc ça, c'est le rapport de la morgue. Donc du coup, c'est pour... Bah ouais, c'est le rapport pour la famille, quoi. Ah non, en fait, c'était allumé, mais de loin, j'ai cru que c'était... Il faisait noir. Ok, après, je vais mettre le rapport ici. Comment je fais pour mettre le rapport? Bah, comme ça. Clipboard. Ah, ici comme ça, ouais. Ok, maintenant il faut que j'aille embaumer le corps. Là, j'ai trop peur, les gars. All right. Putain. Set everything out so you can just go ahead and get started. I'll be monitoring. Everything's on your list there if you need it. Ok, donc à chaque fois, je vais avoir une liste de ce que j'ai besoin de faire. Ok, donc ici, wire jewels. Alors, wow, attendez, parce que là, maintenant, needle injector, sitting needless. Sony. Ma femme va s'en occuper. Needle injector et sitting needle. Alors, ace cap, ils sont là. Le fastid, c'est là. Ça, c'est le scalpel. Faut que j'apprenne ce que c'est, parce que comme je suis une brêle en anglais, et tout est fermé, donc il m'a tout sorti ici en fait, tout ce que j'avais besoin. Flex bag, méthanol, ace cap. Donc les ace cap, déjà il est là. Ouais. C'est ma maquilleuse qui arrive. J'ai ma maquilleuse qui est là, les amis. Et ça sera plus tard. Ok. Ah putain. Ah. Ah. Ah fils de pute. Ah. Ah c'est pour maintenir la bouche fermée en fait. Ok. Après, insérer les ace cap. Non, je crois qu'en fait, là, j'ai. Non, là, j'ouvre les yeux. Je fais ace cap. Mais si, c'est sûr. Me dis pas que tu peux pas faire ça. Ah, comme ça. Comme ça. All right. Ok.
Ok, donc après, je vais avoir besoin des produits qui sont là. I can't hold anything else. Ah, je peux pas encore le prendre. Alors, je dois d'abord ouvrir l'appareil. Ok, et après, je prends les produits qui sont là. Putain, t'es un génie. I can't hold anything else. Oh, t'es un putain de génie. Ah putain. Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly, and it can make them pop like that. Just keep doing your thing. I'll get it. Ok, nickel. Les Drakkar, ça va? Ok, maintenant, je dois prendre le scalpel et faire une incision dans la carotide. Scalpel. Non? Ah d'accord, comme ça, direct. Mettre des forceps. I'm missing something. Et maintenant, il faut que j'aille chercher le tuyau qui est là-bas. Du boulot, si tu veux pas... Bon, on va voir ça. Ok. Maintenant, il faut mettre la pompe. Ah ouais, effectivement, la vache. Je réduis un peu le volume, ouais. Toi, t'es chelou, toi. Regardez, il est plus dilaté. Il est pas normal. Non, j'ai pas coupé les stickers. Non, non, ils sont là, les stickers, je les ai pas coupés. Ok, nickel. Turn off, pompe, immobile, les tubes. Ok, on va tout retirer. Super. Et après, je dois faire quoi? File, un anti, réservoir. Ok, donc là, je dois aller chercher une espèce de... Ça. Ensuite, je dois aller là. Ok. Ah, putain de merde. Ah, allez, c'est vert. Ah. Ah. There we go. Il y avait pas un truc ici là près de la tête là? Ou alors c'est moi qui ai tellement la trouille que je me mets à imaginer des choses, hein. Et je peux courir. Et... en base. On va faire quoi là maintenant? On va nettoyer la pièce. Ok. Attendez. Moi je vais nettoyer l'appareil, hein, c'est ça. Voilà. Ensuite, je dois prendre ce truc-là par terre, là, que j'ai jeté. Ouais, peut-être que j'attends que ça se... Ouais, peut-être que ça se stoppe d'abord. Ok. Et là, maintenant, je dois lui nettoyer la tronche.
Tell you what. What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Are you sure? I just got here. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Mm-hmm. Je dois faire quoi maintenant? Apply my stuff pour passer à le futur, mais je l'ai déjà fait, non? Go ahead. It's fine. I'll give you a call when we get someone in. C'est bon, je me casse là. Ça y est, je peux partir. Bon, bah, je me casse. Hein. Allez, ciao. Bon! Les amis, on fait une petite pause. J'ai la Macius qui est là. Oh, t'as défi. Alors faisons-le. Tu peux venir, ma poulette, hein. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Pourquoi tu me appelles si tard, Raymond? Tu veux que je vienne tard aux boutiques? C'est pas de ce qu'il veut me faire. Je crois le fantôme veut mon fesse. Are you sure? I mean, of course. Excellent. On va juste un petit peu remonter, vous voyez trop mon poitrine. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit. That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? J'ai décroché l'emploi, les gars. J'ai décroché l'emploi. Thanks. I have to go. Il me signe dès ce soir. Right now. I'll talk to you later. Where are my keys? Bing Bob Russe. Alors. D'abord, il faut que je trouve les clés, d'accord. Comme je vous ai dit, c'est un jeu procédural, donc il faut fouiller pour trouver les clés. Mais là où elles sont les clés, elles seront peut-être pas là pour vous dans votre partie. Hein. Death and Decays. A book covering the process and science of the decomposition. Des clamours. Ah, ici. Temporary item. Item temporaire. Ok, alors. On fout un peu. Ok. C'est cool, les gars, on y est de nuit. Nickel. Hey. Guess I'll head to the back and get started. Putain. Oh, il y a quelqu'un. Connard, il me téléphone. Hi, Rebecca. Mr. Delver. C'est Raymond, il m'a enfermé. The mortuary. Just try to stay calm. I'll unlock the door in a moment. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. Oh, I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you. I had no way of knowing the possession had started. What? La possession a commencé. Stop. Bah oui, c'est pas drôle. T'as besoin de rester sérieux, t'as besoin d'agir vite. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. Donc en fait, j'ai commencé à être possédé. Most bodies I work with at night are fine. So we stay calm. Okay? We embalm, file the paperwork, everything. Treat it like a normal day. Staying focused will help.
I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Oh, damn it. What the fuck? This is insane. Je vais me mettre là pour vous, les gars. Okay. Ça va être plus simple. This is so stupid. Just some hazing for the new girl or something. Just play along and do your job. Salut Lucie, comment ça va? Ok, donc là j'ai un truc comme ça, là j'ai une vieille clé, là j'ai la clé du hall. Faut que je prenne le stylo. Non, j'ai déjà le stylo sur moi, ok. Bon, attends, comme dans le tuto. Hein. Bon, je vous dis la vérité, je me chie un peu dessus déjà. Donc il peut travailler toute la nuit, ce con. Ok, c'est encore Raymond. Il me dit, écoute attentivement. Elle dit que c'est extrêmement non professionnel. Ouais, bah oui. Pour enfermer avec des cadavres. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. To do that, you will need to learn the demon. Donc je dois trouver le nom du démon et je dois brûler le bon coffre. Ça fait plaisir de t'en voir, Lucie. I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. I've recorded a number of cassettes to instruct. Ok, il a enregistré des cassettes pour m'aider. Having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Donc il dit que quand je décroche le téléphone après cet appel, il faut pas que je croie ce qu'il me dit, parce que ce sera le démon qui me parlera. The most important thing in the room is in that cabinet. Open it up. Good luck, Rebecca. Il y a quelque chose d'important. À côté de toi, ouvre-le. This is insane. Whatever. Just be the professional one, grab a body and get started. Ok, donc là, il y a une cassette ici. À certains moments, le démon s'amuse avec l'énergie, avec les lampes. Identifie le démon. The more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known, allowing you the information to guess its name. Je me dépêche, sinon il y a d'autres démons qui vont venir. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Don't think about it. Just scribble. Look carefully. If you notice anything strange, it's starting to take hold. There's a notepad and a pencil on the desk in the front room. Je dois aller sur le bureau chercher son stylo. Ok, je dois aller chercher le papier et le stylo qui sont sur son bureau. Et ça va me permettre de voir mon niveau de possession apparemment. Ok, voilà, ok. Ok, voilà. Donc en fait, je gribouille. Je gribouille en fait et il va avoir un dessin. Et plus il va avoir, plus le dessin va apparaître de manière claire. Et plus je vais être proche de la possession. Et donc j'imagine plus je vais voir des choses horribles. Ok, deuxième cassette. The Night Shift Database. A computer program combining all my findings into one reference point. The database contains all the information on the process of expulsion. The tools used. And most importantly, all the markings of the known demonic names. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. Ok, je vais aller pisser et avant je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai compris. En gros, voilà, on est, en fait, quand on est venu dans la morgue pour faire le tuto,
On a attiré l'attention d'un démon qui a commencé à nous posséder. D'accord ? Actuellement, ce démon, il ne nous possède pas encore. Il est dans un corps. Et il va essayer de se transférer dans le nôtre. Pour pouvoir éviter de se faire posséder, il faut que je trouve le nom du démon, que je trouve le corps qui est possédé et que je brûle le corps donc dans l'incinérateur. Donc en fait, j'ai une chance sur trois de m'en sortir. Donc il faut que j'inspecte absolument tous les corps, que je relève tous les indices, tout ce qui est un petit peu étrange et que je me trompe pas de corps et que je brûle le bon corps. Et avant ça, il faut surtout que je trouve le nom du démon, sinon ça fonctionne pas. Donc je vais aller pisser et puis on va s'y mettre pour de bon, quoi. Je pense que j'ai plutôt bien résumé. Pour tous ceux qui se demandent, non, je ne fais pas pipi assis. Ok, encore une petite cassette ici. Pour bannir le démon en enfer, de choisir le bon corps et le brûler, c'est ce qu'il disait. First, the clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, okay. The bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. You will need to uncover these sigils to use them. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. They can be anywhere. So look on walls, under objects, inside furniture. Anywhere. The demon will inscribe its sigils over time to try and hide them, so check regularly. Once you uncover the sigils, use the Night Shift database to decide which demon you're dealing with, and use that knowledge to create the mark. The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Uncover the sigils. Build the mark and place it on the body. Then, when you're certain, burn it in the retort. Ok, j'ai compris. Donc, en gros, ici, là, j'ai une plaquette avec des petits ronds, avec des symboles que je peux interchanger. Donc, en fait, ça va permettre... En fait, c'est le... Je dois brûler des papiers, là, qui vont faire apparaître des symboles. Et en gros, ça, c'est là-dessus que je dois mettre le nom du démon, en fait. Donc, ça doit être une écriture spéciale. Au-dessus, j'ai des bouteilles que je dois mélanger dans la mixture dans la machine pour vider le sang. Ça va bloquer le démon dans le corps, si je ne me suis pas trompé de corps. Je place la plaque sur le corps et je brûle le corps. Et là, il m'a dit qu'il y a un truc dedans. Grab a body and get started. Whatever. Ok, donc là, il dit que je devrais juste aller chercher un corps. And get started. Ok. Let's go! Ok, donc là on a qui là? On a Hiram Sims. On va commencer par celle tout à gauche là. Ah putain, mais quel con! Rien d'abruti, j'ai pas pris le chariot. C'est comme ça. Lock me in here. Scare the shit out of me. Attendez. Check you out. Ok, c'est parti. I don't have my clipboard. Ah, il me faut le clipboard. Il est là. At least I can keep track of things. Ok, donc d'abord, je dois inspecter le corps.
Alors, ici, on a des marques. On n'a rien ici. Il se passe quoi là? Hello? Oh bâtard. Nope, nope. New job. New job. I'm getting out from here. Whatever. How long I went to school? New career path. Fuck this. Wow, quand j'essaie de partir, il se passe un truc, les gars. No. Maybe. Il se passe un truc quand j'essaie de partir. It's fine. Je vais me faire attaquer. What? No, I. Je me casse, bats les couches. I'm just saying things. Non, je me casse, je me casse! Need to get back to work. It's fine. What? Bah, c'est ouvert. Sérieusement? Sérieusement? Ah ouais! Bah oui, ça aurait été trop beau! Fuck! Oh, you're kidding me! I can't believe him! What am I doing? This is ridiculous. I shouldn't be out here! It's my fucking fault! Get back to work! Ah oui, moi j'ai tué sur moi. Bon. J'ai vraiment cru à un moment. I'm stuck here. Fuck. Ok, donc bon, bah c'est tout, on va bosser. Hein. Il m'a refermé les portes sans plus. Je préfère laisser les portes ouvertes. Et là, y a rien. Le visage, apparemment, je l'ai déjà fait. Là, il y a des marques de griffure. Là, il n'y a rien. Ici, là. Je pense que j'ai pas tout fait. Ok. Oui, j'ai pas fait le visage. There we go. Ouais, lui, il a des marques de partout. Vous sentez comme je me mets à stresser là pour de vrai d'un coup? Night Shift, c'est quoi ça? On n'a pas été voir ça tout à l'heure. Ok, ouais, bon, ils font un code. Donc le nom est là. Ah non, il est là. 59. Là. Là, il est là. La tête. Hop. Hop. Là, il n'y avait rien. Enfin, lui, par contre, il a des trucs de partout, lui. Ok. Je prends mon dossier. Le démon veut que tu lui apportes un Burger King. Ok. Time to embalm. Super. Maintenant, il faut l'embaumer. Quand même, j'ai pas été à regarder exactement comment ça fonctionne ça. Ouais, donc là il va falloir que je sélectionne ici.
des trucs. Et il m'a dit c'est les bouteilles du démon, là c'est quoi ça? Ça a toqué, putain. Oh, ça a pris feu. Poupi, 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 poupi. Il m'a dit utiliser le machin, ça a pris feu. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Ça fait paf, comme ça, chien dedans, net, la boîte. J'ai remis les gouvernements. Et vous, il y avait deux femmes en même temps. En regardant le portrait. Mais c'est la naissance, le pont d'échappement. Pas le sein, j'ai le garde pour le pont d'échappement. Tu vois le pont d'échappement, il est là. Vous parlez de faire apparaître des sigils. Des sigils, c'est des symboles, non? Vous voyez des sigils, vous? Ça a dû faire apparaître un symbole, mais... Je vois pas de symbole, en fait. Bah écoutez, on va embaumer le corps, tranquillou. On verra bien. Ok, bon, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre les trucs. Ah ouais, je dois recoudre la. Je dois lui coudre la tronche. Je crois que c'est ça et ça. Ah. Alors. Je comprends pas. Ok. 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 Ah. 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 There we go. Ok. Ok, la bouche est faite. Slipped your... Oh putain, il y avait un truc de marqué, mais j'ai pas eu le temps de lire. Insère les... Alors, je dois faire les yeux maintenant. C'est où les trucs des capsules? Alors, attendez, faut que je trouve les machins des yeux. Ouais, c'est ça. Tellement peur. Et... Non, c'est pas fait les yeux. Ah voilà. Ok, autant pour moi. Ah ouais, il faut que je gribouille. Ouais, t'as raison. Bah oui, pour voir mon niveau de démence. All right. Non, ça va, y'a rien. Ça va, pour l'instant, y'a rien. Je suis pas encore devenu. Je suis pas encore trop fou. Après, je dois ouvrir la pompe. Voilà. Et ensuite, je dois prendre. C'est quoi que je dois prendre? Du glu... Du gluadiane. Attendez, c'est où ça? Ah, ça là, voilà. Non, je décroche pas. Non, je décroche pas, je décroche pas. Il m'a dit qu'il faut pas il m'a dit qu'il fallait pas décrocher. Et donc le gluardine s'est mis du méthanol. Non, c'est pas ça. Non. Non, putain les gars. Commencez pas avec les stickers qui toquent, les gars.
Putain, je trouve pas de méthanol. Là, c'est du formol. Bah, il m'en faut aussi, hein, tu me diras. Je peux peut-être en prendre tout de suite. Hein. Ok. Le compte de boutons. Il me faut de l'humectant et du méthanol. Non. Non. Humectant. Putain, mais il est où le méthanol? Avec mon nombre de... Ah! Je trouve pas le méthanol, les gars, putain. C'est, je suis pas... Il est là, il est là, il est là. Là, 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 là. Méthanol. Ok. Faire une incision dans la carotide. Incision. Ok. Ah, le là, le symbole. Je l'ai trouvé. Regardez. C'est quoi? C'est un espèce de Z. Hop là. Ok, je l'ai trouvé. Ok, donc il me faut des tuyaux. Il va se passer un truc, les gars. J'ai la vision troublée. Il va se passer un truc, j'ai peur! J'appelle à forceps. Il faut des forceps. Non, ça c'est Procard. Sur les forceps. C'est où le forceps? Ah, j'ai la carte d'accès. 17 1944 full access. 4235, je sais ce que c'est, putain. Souvenez-vous le logiciel de l'ordinateur. Ah, 32, 35. Putain, c'était ça. Ok. Le Night Shift Database. Ah, moi, je me pisse déjà. Moi, je me pisse dessus, moi, là-dedans. Ok, donc la database est une collection de données qui relate le bannissement des démons. Ok, donc l'histoire du démon, identifier un démon, sigil démoniaque et tout combat démonique force. On va aller voir les sigils là déjà. Immolation, invidius et désolation. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le Google Traduction, parce que là, ça dépasse mes compétences. Hop. On va prendre le Google Traduction, les gars. Voilà. Je vais vous dire exactement ce qui est marqué. Alors, chaque démon, alors chacun des démons à vide appartient à l'une des trois maisons ci-dessous. Donc on a la maison de l'immolation, la maison de l'invitation et la maison de la désolation. La maison du péché. Le vrai nom d'un démon est composé de quatre sceaux de servitude. Donc c'est les quatre sceaux que je trouve avec les sigils, avec les petits papiers à brûler. Ci-dessous se trouvent les trois maisons et tous les démons cupides connus s'y trouvent. Ok. Donc là par exemple si je vais sur immolation. Donc en fait moi j'ai un Z. Donc par exemple ça pourrait être Sebos. Ça commence par un Z. Ça pourrait être Sebos, ça pourrait être tel duc. Ça pourrait être Sebos ou tel duc. Putain, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais pas sortir de là. Ok.
Retour en arrière. Si c'est dans la maison de l'invitation. Putain, je viens de comprendre. Regardez les gars, j'ai compris. Oh là là, vous voyez les symboles ici là? Attendez, je vais essayer de vous bouger un peu la cam. Je vais vous la mettre ici la cam. Elle devait... je vous gêne pas si je suis ici là, je vais couper ma pub. Là, je pense que je vous gêne pas. Et là, vous voyez bien. En fait, vous savez le papier que je gribouille qui se forme en même temps que je suis possédé. En fait, quand je vais gribouiller le papier, il y a un dessin qui va apparaître quand je serai proche de la possession. Ce dessin m'indiquera dans quelle maison je me trouve. D'accord ? Ensuite, en fonction des sigils que j'aurai trouvés, je vais pouvoir aller dans la bonne maison et trouver le nom du bon démon. Donc, en gros... Hop. Donc, en gros, regardez. Là, pour l'instant, j'ai rien du tout. Je suis pas assez loin dans le jeu. Donc là, ok. Donc ça, j'ai compris pour les sigils. Ensuite, on a quoi? On a identifié un démon tenace. Alors là, je vais encore avoir besoin de mon célèbre traducteur. Hop. Alors. Identifier un démon. Bien qu'après l'identité démoniaque soit plus une question d'attente, identifier le corps qui subit la possession démoniaque demande une attention particulière. Bien que n'importe quel décor puisse être manipulé. Ok, donc ça, c'est toute la section pour me dire comment je fais pour trouver quel corps est possédé. Donc, la section d'avant, c'est pour trouver le nom du démon. Ça, c'est pour trouver quel corps est possédé. Donc, en gros, il me dit qu'il y a des marques sur le corps, notamment des marques de griffure ou des croix inversées. Il y a des symboles, donc un peu, voilà, des symboles un peu démoniaques, comme ça. La lampe là-bas, elle s'est fermée, non? Ok, la lampe là-bas, elle s'est fermée. Il y a une vidéo, là. All right. This... working? Yeah. This thing is huge. So, I guess, this is David. C'est moi, ça. Freeman, this feels insane, David. But I think you were right. This has happened a few times now, but let me see if I can get in here. Ok, d'accord, ok. Donc si le corps, ça fait partie des choses, ça fait partie des signes en fait. Si le corps bouge tout seul, ou s'il y a des symboles, putain, c'est probablement le corps qui est possédé par le démon. Donc il va falloir être attentif parce que moi je vois pas tout. Donc si vous voyez un corps, si vous voyez que des membres du corps qui bougent, vous savez que c'est le démon qui est dedans. Et enfin, combattre les outils pour combattre les démons. Donc la marque, donc ça on sait comment ça marche. Les parchemins, on sait comment ça marche. Par contre ça, je sais pas comment ça marche. J'ai pas tout à fait compris. Donc ça, on va juste regarder comment ça fonctionne. Le réactif est la deuxième partie des outils utilisés pour lier le démon à son vaisseau choisi. Il a une capacité unique à réagir à la marque avec le nom du démon. Puisqu'on ne sait pas quel corps occupe le démon, il est important d'ajouter le réactif à tous les corps à embaumer. Cela garantit qu'une fois la marque construite, n'importe quel décor sera prêt à la recevoir. Le démon fera alors tout ce qu'il peut pour semer le doute. Il est donc peu probable, mais pas impossible, qu'un changement notable se produise une fois la marque et les réactifs en place. Le choix du corps et du démon doit être certain avant de brûler le corps. D'accord, ok. Donc là, en fait, je vais devoir mélanger avec les bouteilles là, que j'ai déjà préparées pour mettre dans le... Hop, 1-0-1, je décroche pas. Que j'ai mis dans la pompe. Je dois mélanger une bouteille comme ça. D'accord? Je dois faire ça pour tous les corps. Et je pense que la première des choses à faire, ce serait quand même de trouver le nom du démon. Par contre, toi, si tu me sautes sur la gueule, s'il y a un truc qui me saute sur la gueule quand je vais à la lumière... J'arrête le jeu. La 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 la. C'est bon. Et... I already have one of those.
Ça commence, les gars, ça commence à débrouiller. Trop peur. Parlez-moi dans le chat, mettez-moi des messages, marquez ce que vous voulez, mais parlez-moi dans le chat, j'ai trop peur. Je l'ai vu ici, là. Et je l'ai vu, hein, je l'ai vu. Ok, il faut que je me balade. Il faut que je me balade avec ça, il faut que je trouve le prochain sigil. Putain de merde. Ok, ils veulent pas. Ok. Il veut pas que je le trouve. Faut d'abord que je fasse le corps à fur et à mesure. Ok. Donc là, par contre, il faut déjà que j'aille prendre ce qu'il faut que je fasse. Ici, là. Là. Je le drop. Voilà, je m'en débarrasse. Ça m'emmerde un peu. Bon. Faut d'abord que je prenne une bouteille comme ça. Sinon, je suis baisé. Voilà. Et il faut ensuite que je la mette là-dedans. Voilà, ok, super. Maintenant, je peux prendre ça. Ok. Là, je me chie dessus, les gars, vous imaginez même pas. Ok. PC tubing. Il manque quelque chose. Les forceps. J'ai pas trouvé le forceps. C'est pas là-dedans. Non. C'est pas ça, ça c'est pas un forceps. Ah si, c'est un forceps. Je crois que c'était un ciseau pour les pieds. Ok, forceps. Yo. Ok, lui il a pas les pieds qui bougent, on est d'accord. Hein. Vous avez rien vu bouger chez lui. Hein. Il avait quand même beaucoup de marques hein, sur le corps. Hein. Mais j'ai pas vu non plus des trucs... Trop fou, quoi. Enfin, j'ai tellement peur. Je suis pas bien, les gars. Ok, super, je dois retirer tout ça. J'ai peur! Oh putain! Ah! Il y a quelqu'un là-bas! Mais je dois pas y aller, hein! Je dois y aller. Putain, je dois pas y aller. Ça y est, ça commence à se dessiner. J'ai trop peur, les gars. Encouragez-moi là. Encouragez-moi. Je veux pas partir. Encouragez-moi s'il vous plaît. Oh, j'y vais Nicolas. Bon. C'est bon. Du coup, là, j'ai mis le corps là-dedans. Là, il me reste quoi à faire là? File, un petit réservoir. Ok, je dois prendre un petit sac là. Je sais plus c'est où là, les petits sacs. Je dois prendre un sac pour nettoyer le. Non. Ça, c'était les. Ah, il y a des clés ici. Extra keys.
Ouais, ok. Mais je peux pas les prendre. Ok, bon, je peux pas les prendre. Raymond, j'ai vraiment besoin des clés de Watch. J'ai vraiment besoin des clés pour sortir. Nettoyer lentement et tu as mentionné je sais pas quoi. Je sais que tu ne me crois pas. Moi j'en sais rien, je m'en fous de ce que tu dis en fait. Limited access, a new bulge. Et il n'y a rien. Oh, il y a une clé là. Ok, large all keys. Ok, je sais pas où je peux trouver les sacs, les gars. Ah, si je sais où je peux les trouver. Chez mon chéri, je vais sans l'heure que j'arrive. Elle a trop peur. Normalement, il y avait un sac à prendre, mais je comprends pas où est-ce que c'est. C'est pas ça. Ah, flexback, c'était ça qu'il me fallait, putain. Attendez, je me suis trompé. Voilà. Au moins, tu me diras qu'il sera pas loin pour le prendre. J'aurais pas besoin de retourner là-bas. Ok. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Ça fait paf, comme ça, chien dedans, net, okay. La boîte, oh non, il faut que je ramasse un coup. Il faut y arriver de femme en même temps. En regardant le portrait. Missile à naissance, le pot d'échappement, pas le singe, je le garde pour le pot d'échappement. Tu vois le pot d'échappement, là. C'est tellement sombre le jeu que je vois pas du tout où j'ai foutu le... Bon, je cherchais le deuxième réservoir, va chier. Je comprends pas. That's not it. Attends, t'es le prochain tour que je fais, mon gars. Je ne sais pas ce que je dois faire. File, un empty truc réservoir bag with a cavity fluid, then insert trop tard. Ah putain, si c'est le truc dans l'estomac. J'ai l'impression de pénétrer une viande de porc. Oh. J'ai l'impression de toucher de la farce fine à saucisse. Oh. There we go. Ok, ça c'est fait. Mix cleaner bathroom. Tiens, on va. Ding dong. C'est le plombier. Bonjour. Le plombier, je viens déboucher les tuyaux. J'ai augmenté la luminosité à fond, mais regardez, je vois pas du tout. Je vois pas du tout le pot que j'ai jeté tout à l'heure par terre. C'est pas ça, c'est que là je vais aller prendre l'autre, mais après j'en ai plus quoi. Non, c'est pas ça. Mix cleaner bathroom closet to create sound cleaner. That's not it. Oh, je sais que c'est pas là. Je sais que ça va là normalement. C'est ça que je comprends pas. Ah, il me dit pas que ça va pas là. Hein. Je comprends pas.
Mix cleaner, bathroom, closet, crate. Tank cleaner, zen pour une dos en platine. Je vous apprécie mon anglais. Non mais là les gars, je comprends pas trop en fait. Nom de Dieu. Oh le voisin il va venir gueuler. Bonjour. Mais je comprends pas en fait. Mixed cleaner in bathroom closet. Pour créer, il faut créer du tank cleaner. Je dois mixer. Attendez, je dois mixer ce produit-là, du cleaner base. Je dois le mélanger avec autre chose. Mélanger avec quoi? Ah non, je sais, je suis un con. Voilà. Hop. Voilà. Et là, j'ai obtenu du tank cleaner. On essaie de se rassurer. Voilà. Il y a le moisissure là maintenant à faire là sur la gueule. Pastise. C'était le Ace Clipper. Alors attendez, j'ai le. La moisissure là. C'est moi. Attention, c'est à la fin du premier corps. J'ai très peur de ce qui va se passer. Alright. Ok. Return body to cold storage. Ah regardez les... Ah regardez le corps comme il bouge quand on le déplace comme ça. J'ai peur. Ouais j'ai peur. Oh le fils de pute. Il va pas faire ça quand même. J'ai peur. Ok, donc le premier, bon, il y avait des trucs un peu spéciaux, mais j'ai rien vu non plus de... J'ai rien vu de trop fou. Par contre, celui-là, l'Anthony, ça bougeait. Tout à l'heure, c'était ça qui bougeait. Donc bon, après, ils ont dit que le démon pouvait essayer de me tromper aussi. Hein. Donc on a fait le premier corps, mais bon, il y a beaucoup de marques, mais après c'est rien passé de... C'est rien passé de fou non plus quoi. Ok, là ça fait un... Ok, donc là j'ai genre super peur. Mais vraiment, j'ai genre super peur, super peur. Et donc là il a une marque sur le bras. Bon, l'autre, il avait énormément de marques, hein, par contre. Hein. Les pieds bougent pas, on est d'accord. Et... Vous savez quoi, j'ai envie de partir, là. J'ai envie de vous laisser comme ça, sur le jeu, et de me barrer. Et tellement j'ai peur. Et là, il n'y a rien... Alors lui, il a quasiment rien. Ah si, il a des griffures là-bas. Il a des griffures dans le dos quand même. La griffure peut être une marque. Hein. Ah, et là, il a des espèces de trucs là, tout dégueulasses. Mais bon, on sait pas trop ce que c'est. Et elle m'a dit que c'était bon. On va les rentrer ça dans l'ordinateur. Putain, j'ai tellement peur, les gars. Ah putain, ça recommence. Ah, ça recommence à taper là-bas. Ok. Entrée numéro 2. Donc, Anthony. Anthony qui, pour l'instant, m'a l'air d'être le moins suspect, pour l'instant, des deux. Air Shooters. L. Arm. Air.
On a tout mis? Ok, on a tout mis. Bon, attendez, attendez. Ah, il s'est calmé. Oh putain, il va se passer un truc, les gars. Putain de merde, il va se passer un truc, les gars. Ah, ça commence à prendre forme. Bah, ça y est, je suis en train de sombrer dans la folie, là. Attendez, moi, je bouge pas. J'y vais pas tant que j'ai pas la lumière qui est revenue normale. Je reste même sur le PC, je m'en bats les couilles. Je baisse le son et je regarde rien. Attendez, c'est quel symbole là? Ça commence par une espèce de cercle. C'est sigil démoniaque qu'il faut aller. C'est un cercle complet qui commence à se former ou c'est pas un cercle complet? Je pense pas que ce soit celui-là. C'est ou le premier ou le deuxième. J'ai l'impression que c'est un cercle complet, moi. Donc on serait plutôt sur celui-là, alors. C'est encore un peu tôt pour le dire, je pense. Putain, j'ai peur parce que je sais qu'il va se passer un truc affreux. Je dois retourner déposer le dossier, il va se passer un truc affreux, les gars, je le sens. Je suis dessus, j'ai vraiment trop peur. Là, 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 là. Ok, ça c'est fait. Maintenant, voyeur, oh, allez. Je suis dessus, j'ai vraiment trop peur. Ok, non, ça. Je me suis déçu, j'ai vraiment trop peur. Ah, je t'ai pas mis assez haut. Ah, regardez la gueule que ça lui fait. There we go. On dirait qu'il sourit. Ok, après c'est quoi déjà? Mettre les Ace Caps. Oh putain! Come oh putain! Here. Non, je ne viens pas. Le gars, il m'appelle avec la voix de ma mère. Ou de ma copine. C'est ma copine, c'est ma copine. Rebecca. Non. Rebecca. Non. Rebecca. Non. On a dit on fait les capsules de nuit. J'ai dit non, ta gueule. Ah, je peux pas ouvrir en plus. Non, s'il te plaît, qu'on me forcez pas à y aller. Why aren't you coming? Me forcez pas à y aller là, j'ai peur moi. Why aren't you coming? Pourquoi tu ne viens pas? Ton avis, pourquoi je viens pas? Non, je viens pas. Va te faire foutre. Il va se passer un truc tellement come horrible quand here. Je vais y aller. Il va se passer un truc mais tellement horrible. Why aren't you coming? Rebecca. Il va partir. Je m'en fous, il va partir. Rebecca. Pardon. Come over here. Il va me foncer dessus. Je vais y aller, il va me foncer dessus. Vous êtes prêts? Rebecca. Bonjour. Allez, je vais y aller. Vous êtes prêts? Rebecca. Allez, je hurle pas. Il me fonce dessus. Come over here. Voilà. Putain! Ok, je peux pas ouvrir. Putain, fils de pute de merde, va.
Je me suis mis exprès à regarder le mur et ils m'ont tourné la tête pour que je voie. Ok, donc bon, on continue. J'ouvre bien l'œil. Tu mets sa petite capsule. Ah, l'autre aussi. Tu ouvres bien l'œil. La petite capsule, voilà, pour avoir un regard. Ok. Bon, avec ce que j'ai vu, il y a peut-être moyen de. Non. Du coup. Par contre, il faudrait que je me balade avec le papier là quand même. Mais j'ai pas trouvé les autres symboles encore. Ah! Il y a un truc ici. Ah, ici là. C'est une espèce de quoi ça? C'est un symbole tribal un peu. Ah, d'accord, c'est une espèce de symbole tribal. Vous le retenez, on va aller le mettre tout de suite. C'était celui-là. Ok. Donc on a le Z et on a le symbole tribal. Et on sait que c'est ou le premier ou le deuxième. Est-ce qu'on a un Z avec un symbole tribal? J'ai le Z, j'ai le tribal. Ça pourrait être Sebos. Ah, ça pourrait être aussi Telduk. Ok, donc pour l'instant, au stade où j'en suis, c'est encore trop tôt. Maintenant, je dois mélanger les produits. Donc c'est toujours les mêmes? Ouais, c'est toujours les mêmes. Hop, mettons... casse. Ah, j'en ai marre. Ça arrive de plus en plus vite, hein, les trucs. Hein. Oh putain. Oh putain, regardez, il s'est transformé, là. Ah, c'est un cercle entier, hein. Ah, je crois que c'est désolation. Je suis quasiment certain que c'est désolation. C'est parce que je me rapproche de lui, en fait. Tellement peur. Ok. Je me fais appeler, les gars. Là, à gauche, regardez. Ah, je peux continuer à travailler? Non, je suis obligé d'y aller. Je suis obligé d'y aller. Rebecca, come here. Come here now. C'est la voix d'un homme, c'est mon père. C'est obligé, il y a un truc avec mon père. Salut Pud, merci beaucoup pour ton follow, comment ça va? Ce n'est pas ton père. C'est un usurpateur. Don't look. Head over to grandma. Ne regarde pas le visage de ta grand-mère. Ok, c'est bon, j'ai trop peur, les gars. C'est sa mère. Ok, ma mère était une junkie. Mon niveau. Je vais pas aller. Ok, on va tout ouvrir. Ok, je rouvre toutes les portes pour pouvoir me sauver en fait. Ok. Bonjour. Ok, super. On en est où là? Il faut que je mette encore quoi? Le méthanol et le glutu. Ici la glutu. Le glutu, il est là. Hop. Ok, le méthanol il est là. Et on n'oublie pas le petit produit magique. Ce petit produit, il vous permet d'être protégé des démons. Je parle bien évidemment du Baleful. Baleful. Car c'est belle et c'est fou. Hop, voilà.
Maintenant, on va aller chercher nos petits produits de beauté. Le petit scalpel pour se refaire un petit visage tout trognon. On va se reprendre le petit forceps pour pouvoir... Non, j'ai dit un seul forceps. On n'oublie pas le petit tuyau pour se faire le lavage d'estomac quand on a bu un peu trop de café. Et puis c'est parti. Je pense qu'on a tout. Hop. Les forceps, ils sont là. Les petits tubes, ils sont là. Bim, bam, boum, badaboum. C'est parti. Moi, je me cache derrière le bureau. Je me dis derrière moi, tu vois. En fait, je me mets là parce que je me dis derrière moi, il y a un mur, tu vois. Je me dis déjà, il n'y aura rien qui va venir par derrière. Donc comme ça, j'ai une vision sur tout ce qui pourrait m'arriver, en fait. On va quand même aller regarder. Et regardez, ça change tout le temps, en fait. Je peux pas savoir ce que c'est. Je sais que c'est juste un cercle entier, en fait. Franchement, je suis sûr que c'est désolation. Derrière, il va se passer encore un truc. Regardez, quand les lumières, elles deviennent comme ça, ça veut dire qu'il va se passer une dinguerie. Le mur, il va s'ouvrir. Ok, j'arrive plus à lire. Turn off, pump, remove the tube et close. Ok, c'est bon, ça s'est arrêté, les gars. C'est bon, j'ai bien fait de ne pas remover maintenant les tubes. Ok. Ok, les gars, ça c'est fait. Après, c'est quoi que je dois faire? Nettoyer le réservoir. Donc je dois prendre un sac vide et aller dans le cavity fluid et je dois le mettre le truc dans l'estomac, ouais, c'est vrai. Donc, un sac. Merci, monsieur. Si. Hop. On n'oublie pas la petite aiguille qui change toute la donne. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire cire à poulet. Vous insérez l'aiguille un petit peu à droite. Un petit peu à gauche. Alors, on n'hésite pas à être très généreux sur la farce, les amis. C'est bientôt Noël. Alors, on en remet encore un petit coup à droite. On n'hésite pas à revenir encore sur la gauche. Et enfin, on termine sur la droite. Et voilà votre petit poulet farci de Noël. Ok, c'est bon. J'arrête le jeu. Ok, les gars, j'arrête le jeu. Non, moi, j'y vais pas. Non, j'y vais pas. Alors ça, j'y vais pas, ça. Bonjour. Vous êtes là pour apprendre la dinde farcie de Noël? Vous avez bien vu ou il faut que je vous remontre? Alors, madame, je vous avoue que vous avez un teint qui ne m'a pas l'air d'être très, très frais. Je peux vous apprendre à vous maquiller, si vous voulez. J'ai un make-up absolument sublime. Voilà, c'est bon, elle s'est barrée. Mais j'y retourne pas tout de suite, on sait jamais. Non, j'y vais pas. Non, j'y vais pas. Je vous jure, j'y vais pas. Je m'envoie les couilles, j'y vais pas. Putain, merde! J'y vais y aller. C'était trop moche! Je vois l'interrupteur, les gars, j'ai trop peur. Petite pute. Petite Marie, nananana. Je ne me sens pas très bien. Je crois que j'ai plus de produits pour laver le sol. Ah si, il y en avait plein ici. J'ai mon tank cleaner. Je cours pour pas être enfermé dans le couloir. Putain, arrêtez de jouer avec les lampes, les gars. Franchement, c'est nul. C'est pas Versailles ici, hein. Putain, il m'a tout fermé, le truc qui va courir. Ça va me courir dessus, les gars. Putain, elle est là. Elle se rapproche, la connasse. Je peux rien faire. Les gars. Rien faire. Putain.
Je vois l'interrupteur d'ici, mais j'ai peur qu'elle soit là. Non, j'ai trop peur, les gars. Oh, j'ai trop peur. Elle m'attend. J'ai bien fait de pas y aller. J'ai envie de pleurer, putain. Oh. Putain, j'irai plus jamais quand ta lumière elle s'éteindra. Je n'irai plus jamais, je vous jure. Ok, donc là on doit attendre que ça se termine la pompe. Je vais quand même y aller. Il me reste un... Ah si, j'ai la trouvé. Ok, il faut que je trouve ce putain de symbole, où est-ce qu'il est? Est-ce que vous voyez un symbole, les amis? C'est le dernier, hein. Après le quatrième, j'ai pas besoin de le trouver. C'est le dernier. Je le vois pas, putain. Là, je le vois pas. Oh, my girl! Ici, là. C'est une espèce de spermatozoïde. Ok, c'est un spermatozoïde. Il est là. Ok, un œuf avec un spermatozoïde, les gars. Si c'est désolation comme on le pense, est-ce qu'on a un œuf et un spermatozoïde et un tribal? Z, tribal, spermatozoïde. C'est le seul. D'accord, c'est Uscaret, les gars. C'est Uscaret. Ok, sur à 99%. Uscaret. Vous me le notez dans le chat? Allez, le chat. Uscaret, s'il vous plaît. J'aime bien quand il y a des moments qui font peur, que je vois les viewers qui diminuent et après je vois les viewers qui remontent comme ça. Il y a des gens, ils veulent voir le jeu, mais ils ont trop peur par moment. Je vais quand même regarder si on a un truc similaire ici. Z, tribal, spermatozoïde. C'est. Alors, écoutez-moi bien. Soit, si c'est désolation, c'est Uscaret. Vous notez, s'il vous plaît. Vous marquez désolation égale Uscaret et immolation égale Telduk. Donc, désolation égale Uscaret et immolation égale Telduk. Vous pouvez me le noter, s'il vous plaît, parce que je vais avoir besoin de vous, le chat. Hein. Parce que je commence à avoir vraiment peur et je vais oublier ces informations-là. Donc désolation. Non, désolation Uscaret, ouais, et immolation Telduk. Quelqu'un me le note en entier? Voilà, vous faites un copier-coller. Faites un petit copier-coller, s'il vous plaît. C'est l'un ou l'autre. Donc tout va dépendre du symbole que je vais avoir ici là. Ok. Appliquer le moisture. Le moisture. Ok, on va. Non! On va te nettoyer le visage. Non, il se passe une dinguerie, les gars. Je me casse. Il se passe encore une dinguerie, les gars. Je m'en fous, j'y vais plus. Ok. Regardez. Ça prend une nouvelle forme. Je m'en fous, je reste sur le PC. Ça prend une nouvelle forme. Donc là, on a un cercle. On a un espèce de truc comme ça. Ça, il n'y a pas à douter, les gars. C'est ça. C'est désolation. C'est Uscaret. Maintenant, il faut juste trouver le bon corps. J'ai pas trouvé de corps vraiment plus étrange que ça, quoi. Putain, c'est bon, je me suis cassé. Là, je dois faire quoi? Là, je dois faire le moisture. Moisture. Ici, là. Il y a un bruit. Il y a un bruit, les gars. Les gars, il y a un bruit. J'ai peur. Putain! Quoi? Ouais, il est chelou, le corps. Quoi? Oh non, je vais être obligé d'y aller encore. Oh bordel,
Les gars, c'est le moment de buter, de vous boucher les oreilles et de fermer les yeux. Bonjour, monsieur. Pareil, je comprends pas ce que vous voulez me dire. Je ne parle pas le langage des signes. Je ne comprends pas, monsieur. Mais tiens. Laissez ma sortie ! Bon, il m'a l'air pas mal ce corps là aussi, non ? Je sais pas si c'est lui qu'il faut brûler, mais il m'a l'air pas si mal que ça. Il s'est passé plein de trucs chelous en plus pendant qu'on l'examinait. Ah, j'ai peur. Allez ! Un nouveau sub de Noki ! Merci Noki ! Tu viens de rajouter 15 minutes à ce live ! Ça fait, je crois qu'on en est à 11h30 de plus sur le live. Merci beaucoup ! Allez, c'est parti. Là, j'ai tellement peur. Là, ça y est, je suis enfermé. J'ai peur. Les gars, je me souviens, je l'ai fait dans la démo. Il y a un truc qui va me foncer dessus. Faites gaffe, il y a un énorme streamer. Il y a un putain de streamer qui va arriver, les gars. Elle est là la pute. Oh my God ! Oh ! Bonjour. Oh. Bah. Oh. Une place. Et ciao ciao. Non, c'est vrai! Elle est en panne, putain! Je peux pas me casser! Ok, de toute façon, j'ai plus qu'à nettoyer le visage de l'autre. On connaît le nom du démon! Il reste plus qu'à trouver son corps! Alright. Elle te dit alright, normal, tu sais. C'est rien passé, quoi. Tout est absolument normal. J'ai rien vu sur lui. Hein. Honnêtement, son corps à lui, il m'a l'air... Bon, il a bougé parce que... C'était la cinématique qui voulait que... Mais voilà, on va faire le troisième corps. Et honnêtement, les deux premiers corps, j'ai pas trouvé... Le premier corps était fort marqué. Faut être honnête, le premier corps était fort marqué. Mais j'ai pas... Il n'y avait pas non plus de dinguerie qui s'est... Ah, il n'y avait pas non plus de dinguerie, quoi. Il veut pas rentrer, putain. Pourquoi il veut pas rentrer? Non, j'ai peur. Rentre à la maison, putain. Ok. Allez, c'est le dernier corps, les gars. C'est le dernier corps. Ok, dernier corps, c'est bon. Là, il va se passer des dingueries de fou. Ouais, c'est le cercle complet, là. Je sais plus c'est lequel. C'est Désolation. Donc, c'était quoi le démon de Désolation que je vous avais dit? C'est Uscaret, les gars. Vous me notez Uscaret. Donc, le dernier symbole, normalement, c'est l'espèce de 7. Là, on sait pas trop ce que c'est. Je vais quand même me balader avec le dernier papier. Histoire de dire que... Mais je sais que c'est bon, quoi. Là, il n'y a rien. Là, il prend pas feu. Je pense qu'on peut avoir que 3 symboles sur 4. Non, ce serait pas... Sinon, ça servira à rien d'avoir les papiers, là. Ça servira à rien de devoir gribouiller. Donc pour moi, c'est Uscaret. On a le bon, hein, c'est sûr. Hein. Je vais d'ailleurs mettre son nom complet, comme ça, je vais pas l'oublier. Donc Uscaret, on a dit c'est celui-là. Là. Voilà. Pour l'instant, je la prends pas à la table parce que j'ai pas encore identifié le corps. Mais pour l'instant, pour moi, le premier corps reste le plus suspect.
Bon, là, elle a quelques petites marques ici, ok. Est-ce que les pieds, ils bougent? Si les pieds bougent, par contre, c'est elle à 100%. Si les pieds bougent, c'est 100% elle. Vous avez rien vu bouger? Ah, c'est pas elle. Moi, pour moi, c'est le premier corps. Je vous le dis franchement. Ah, regardez, elle a rien. Bon, oh, là, elle a une espèce de petite merde, là, mais si, franchement, elle a rien. There we go. Oh, elle a que ça. Ah, pour moi, c'est pas elle. Ouais, pour moi, c'est pas elle. Ok, donc là, on est sur le troisième. Elle s'appelle Alma. C'est, donc pour moi, ce serait... pour moi, c'est Hiram. Pour moi, c'est Hiram, le démon. Ok. Oh, putain, elle... Il a recommencé. Ok, il est pas là. J'ai peur d'être enfermé dans le couloir, par contre, c'est pour ça que je cours dans les couloirs. Les couloirs me font très peur dans le jeu. Ok. Voilà. Et là, il n'y a rien. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ah oui. Comme d'hab. Ah putain, ça m'aura dégoûté jusqu'à la fin, ça. Que je travaille. Je vois pas ce qui se passe dans la pièce, je vois pas ce qu'il y a derrière moi. There we go. Pas pendant que je travaille, bande de bâtards. Hein. Ok. Maintenant les Ace Caps. Et... Ok, là c'est le dernier corps, normalement c'est là qu'il se passe le plus de dinguerie. Hein. Ok, après je dois mettre le mixte embaumement, donc hop. Ok, ensuite le truc qui est là. Ok, et là je suis en train de me chier dessus. Ok, et la cardio. La pute, j'ai peur. J'ai pas mis le dernier produit. Je vais pas le prendre. De légion à ma gloire. Il me dit qu'il arrive. Bonjour. Oh putain, c'est pas vrai. Salut. On ne saute pas dessus. Hein. Bonjour. Ça a l'air bien sympathique chez vous.
Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour, je suis le nouveau docteur. C'est difficile pour la petite Rebecca. Tiens, quand j'ai brûlé ta gueule, toi, tu vas voir un peu. Espèce de pauvre con. Ouais. Just give in. Juste donne-lui. Donnez quoi? Je comprends pas. Attendez, je comprends pas. Let me in. Laisse-moi entrer, je crois qu'il lui dit. Bon bah je me casse, hein. Je veux pas que je fasse. Moi je me tire, moi je t'emmerde. Hein. Et hop. Putain, il est là-bas, regardez. Il est là-bas le démon, je le vois. Et ma poule. Écoute, j'ai un corps là-bas, là. Je suis un peu emmerdé parce qu'il manque des trucs. Tu veux bien m'aider? Pas beau. Bon bah je me casse. J'ai pas compris ce qu'il fallait que je fasse. Je crois que c'est... Bah en tout cas c'est un homme et c'est le... J'ai eu que un homme depuis le début du truc. Mais après pourquoi est-ce qu'il me montrerait le cadavre? Vous comprenez? Je comprends pas pourquoi le démon me montre le cadavre. Normalement il est censé essayer de me tromper donc peut-être qu'il me trompe. Ah je dois le tuer. Je crois que c'est mon père. What a familiar voice. Be more comforting. Ouais, c'est mon père. C'est mon père, c'est mon père. Just let me hear Rebecca. It will be over. Ok. Alors, on continue, hein, il s'est rien passé. Moi, j'ai rien vu. Vous avez vu quelque chose d'inhabituel, vous? Tout va bien depuis le début. Tout est normal. Je n'ai absolument rien vu d'étrange. Tout va pour le mieux. Ah, David, tu oublies une chose. Eh oui. Tu oublies le plus important. Tu dois... I can't use that here. Tu ne dois pas oublier ça. Oh putain! Ces symboles là! On s'est trompé de démon, les gars! Oh, c'est fourvoyés! Oh bordel! Nous sommes fourvoyés! C'était immolation en fait, c'est immolation! Donc, du coup, le vrai démon. Le vrai démon sperme, atozoïde, tribal, le 7, c'est Telduck. Donc, tribal en haut, 7 à gauche, spermatozoïde en bas. Donc, spermatozoïde. Comment je suis pour retirer ça? Merde, attendez, je crois que je me suis trompé, moi. Alors, on a dit... Tribal. On a dit le tribal en haut. Le 7 à gauche. Spermatozoïde en bas. Et après, on a dit quoi d'autre après? Et l'espèce de truc avec les deux points là. Ah, ça là. Ici, là, on est d'accord. Là, on est bon là. Ok, là j'ai ça. Et j'ai pas oublié qu'il fallait que je mette ça dedans pour lier le. Pour lier le corps. Pour lier le corps. Car ceci est mon corps. Oh putain! J'y vais pas. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Tu t'es trompé avec le truc des points? Non, je me suis pas trompé tout avec des points. Là, regardez là. C'est un truc comme ça là, avec deux points. Et là, ici, là, il y a que ça. Ah oui, je me suis trompé. Mais t'es un génie, frère.
Tu viens de me sauver la partie là. T'es un génie. Hein. Franchement, tu suis bien et tout. Hein. Bravo. Hein. Je te décerne le titre de followers du live. Non, par contre, j'y vais pas. Non, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Non, non, j'y vais pas. Je veux pas y aller, putain, j'ai peur. Non, mais ça peut être que ça. Hein. Bon, bah, j'y vais, mais franchement, j'ai peur. Il est où l'interrupteur? Je vais l'ouvrir là-bas parce que j'ai trop peur aussi. Les gars, on est à la fin du jeu, j'ai l'impression. Forceps. Tuyauterie. Ok. Là, c'est le moment où je me place. Là, il va se passer un truc aussi. Hein. Ok. Là, il va se passer un truc, hein, c'est sûr. Hein. Mon niveau. Et là, je dois faire quoi là? Le réservoir. Le réservoir, le réservoir. On va fourrer la dinde, les gars. Mais ils sont malades? Comme ça là. Mais vous n'êtes pas bien de me faire ça maintenant? Ok, les gars, c'est bon. Merde, attendez, ça ne marche plus, ça ne marche plus, ça ne marche plus, ça ne marche plus. Voilà, on reprend les coups pour la madame de tout à l'heure qui était derrière la porte, qui n'écoutait rien. Évidemment, Clo-Clo également, qui n'écoute absolument rien du tout. Alza, hein. Serais-tu capable de m'expliquer comment on fourre une dinde? Évidemment que toi, tu n'as rien écouté, on est obligé de reprendre tout le cours pour toi. Nom de Dieu. Ouais. Tu veux venir faire le jeu? On verra si tu cries pas. Essaye de dormir. There we go. Mais bah viens faire le jeu d'horreur, tu vas voir. Miss Cleaner, bathroom, ok. On y va, en espérant qu'il n'y ait pas une merde, c'est bon. Bonjour. Monsieur, madame, excusez-moi pour mon interruption. Je me permets de venir prendre du tank cleaner. Avec ça, tu peux passer la lumière bleue. Tu ne vois plus rien. Ok, super. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Une fois que c'est fait, il ne restera plus qu'à nettoyer le visage. On va le faire. Alors, on a déjà les lingettes. Allez. Et je crois qu'on est bon. Ok. Le plat est une mosisse. Et là, il va se passer une dinguerie. Non, c'est pas possible qu'il se fasse une dingue. Il s'est rien passé, les gars. Il s'est rien passé. Bon, on va prendre le premier corps. Putain, là. Johnny! Va se calmer, hein, Johnny. Il va se passer un truc, là, c'est obligé. Bonjour! Vous êtes un voyeur? C'est pas beau le voyeurisme, j'aime bien ça. Ok. Vous savez ce qu'ils font là, les démons? Ils veulent savoir si je choisis le bon corps. Eh oui, mon gars, pas de chance. Je t'ai percé un jour. Je sais qu'en fait, c'est toi, le démon. Car tu as beaucoup trop de marques sur le corps pour être propre.
Vous les trois? Ah non, je suis obligé d'en choisir qu'un. Non mais moi je choisis lui, moi. Pour moi c'est sûr, c'est lui. Pour moi... Oh putain la vache. Putain madrane. Bonjour, au revoir. Elle va apparaître derrière moi, c'est obligé. Elle est venue voir, elle s'est dit putain, il choisit le bon corps ce con. Non mais c'est sûr, hein. Ok, je prends la marque. Ok. Mets la marque dessus, ok, super. Ok, super, mon gars. Ok, super. Bon, ben voilà, les gars. Il y a le King Team, mais toujours pas belle. J'espère que je me suis pas trompé, les gars. Si je me suis trompé, j'ai fait tout ça pour rien. Il m'attaque. Yes. Ah, je sais pas, je vais mettre mal sur tous les jours. It's nice not to be the one down there for a change. Raymond. I suppose a first name basis isn't over. Eh oui, Raymond. Did I make it? Is it over? For now. Pour le moment, mais ce n'est pas réellement terminé. You've come a long way. It's a lot to learn. I'm so glad I'm here. I know it's disorienting. You'll get used to it. Tu sais que tu es désorienté. You should head home and get some rest. Tu devrais rentrer chez toi. Every night can be different. Chaque nuit est différente. I think I'm fine. Je pense que je vais bien. Are you sure? Tu es sûr? You seem out of it. Oh, I've just been waiting. Oh putain, je suis possédé. So, so long. What? What are you? Oh no. You chose the wrong. J'ai choisi le mauvais corps. Rebecca. Rebecca's not here, you fucking idiot. Watch your foolish boy. And drink it as it melts from your pitiful frame. Worthless old shit. Je me suis trompé de corps. Non ! Bordel ! Bah le nom du démon était bon, Nubi, mais je me suis trompé de corps. Ah mais j'ai rien remarqué. Vous aviez remarqué quelque chose, vous, sur les autres corps ? Vous savez quoi ? J'aurais peut-être dû reprendre les corps un par un pour les réexaminer. Ouais, j'en ai fait de l'origami, comme vous dites. Oh mon Dieu. Je remets mes cheveux, vous allez découvrir l'horrible vérité. La vérité, c'est que les cheveux ne sont pas les miens. Ce ne sont pas de vrais cheveux. Je sais que ça va... Je sais que vous tombez des nues et que je vous déçois énormément. Mais c'est vrai, tout ce que je vous dis est vrai. Ce ne sont pas mes vrais cheveux. Ok YouTube, c'est la fin de ce jeu, donc première partie qui a été faite en live, on fera d'autres parties qui arriveront sur la chaîne, seulement si vous me dites que vous aimez, donc n'oubliez pas de mettre des pouces sous la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, mettez-moi en commentaire si ce jeu vous plaît, et si vous voulez une suite avec moi normal, ou une suite
Avec Davida. Peut-être. En attendant, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon moment avec moi. Et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos YouTube. Ciao.